Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Mais Kessia, vous aussi. À peine je sors ma tête de l'eau, quand j'étais silencieux, la personne me disait, Eritor, X dit que X a fait tant qu'il faut réagir sur l'histoire Kader Keïta et François Zaoui. Il y a quoi à dire dans ça là? Quand ça s'est passé lors de la CAN, il était au courant de quelque chose. Moi, je ne fais pas vidéo pour faire vidéo, hein, je suis désolé. Aujourd'hui, je vous parle d'Ibawan et de Tiesco le Sultan. Ça, au moins, ça m'intéresse. Ça, au moins, c'est la musique ivoirienne. Ça, au moins, c'est la musique malienne. Ça m'intéresse. Et c'est de ça qu'on parle. Voilà. Tiesco le Sultan, libre. Et sort de prison. Et Easy Money de Ibawan, on en parle tout à l'heure. On se prend juste après le générique. C'est le grand retour. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage-moi. Voilà, c'est toujours votre humble serviteur, Eriton. C'est toujours votre humble serviteur, Eriton. Voilà. Au passage, j'aimerais juste vous dire que j'ai monté un studio avec des amis appelé Fly Prod. Donc bientôt, je vais vous donner le contact pour ceux qui aimeraient bien se faire enregistrer. En tout cas, testez-nous. Voilà, je vous demande de nous tester et puis vous-même, vous allez juger. Je pense qu'on est équipé, hein. Je pense qu'on est équipé. Je pense qu'on est à l'heure du digital, on est à l'heure de l'évolution. On peut faire quelque chose de bon. Voilà. Il faut juste nous donner notre chance et puis vous verrez. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Je parle d'Ibawan et de Tiesco le Sultan. Mais bien avant de parler de Easy Money, du million de vues de Easy Money, j'aimerais bien qu'on parle de Tiesco le Sultan. Parce que oui, Tiesco le Sultan est libre. Oui, il est libre dans quelques jours. Voilà. C'est-à-dire après-demain, 4 juillet, si tout se passe bien. C'est la date de sa libération. Et avant de lancer des conseils à l'endroit de ce faiseur de musique ivoirienne, de cet acteur du showbiz ivoirien, j'aimerais bien que tous nous nous manifestons. Voilà, vous savez, on est tous pas parfaits, vous comprenez un peu. Donc souvent, on doit être tolérant vis-à-vis de notre proche, vis-à-vis de notre prochain. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, Tiesco le Sultan apporte sa pierre à l'édifice musical ivoirien. Vous comprenez un peu? Donc on n'a pas à le détester jusqu'à ce point-là. On n'a pas à lui souhaiter ce qui lui est arrivé. Malheureusement, c'est arrivé. J'espère que ça lui donnera des leçons. Mais j'aimerais que acteurs du showbiz ivoirien, artistes, fans, franchement, qu'on accueille de manière chaleureuse Tiesco le Sultan, afin qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on le déteste, c'est pas parce qu'on n'aime pas son affaire, c'est pas parce qu'il ne fait pas de la bonne musique, et c'est parce qu'il est trop brouillon dans son travail, il est trop forcé dans son travail. Et c'est fort de le dire, et il faut le dire pour qu'il soit choqué, afin de l'amener à changer, honnêtement. Voilà. Donc, je demande à tous les détracteurs de Tiesco le Sultan de doser. Voilà. C'est vrai, hein? On dira qu'il ne changera pas, la prison ne va pas lui donner de conseils, mais on ne sait jamais. Attendons de le voir sortir et de l'observer pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est ce que je tenais vraiment à dire d'abord à tous les mélomanes, que ce soit les artistes qu'il a pu frustrer, que ce soit les acteurs du showbiz qu'il a pu frustrer. Franchement, mettons bas la tête et donnons-lui une seconde chance. Donnons-lui de lui montrer une autre personne, une autre personnalité de lui. Voilà, une autre facette de lui. Parce que je pense que, comme le dit l'adage, c'est seuls les imbéciles qui ne changent pas. Et pour ma part, je pense que Tiesco le Sultan n'est pas un imbécile, donc il va vraiment nous surprendre. Donc soutenez la sortie de Tiesco le Sultan. Encouragez-le. Voilà, encouragez-le. Il a fait une erreur, il a payé le prix. Il faut maintenant lui montrer notre amour. Lui dire qu'on ne te souhaitait pas la prison, tu as créé toi-même ton emprisonnement. Et Dieu merci, tu l'as assumé. Bientôt tu vas sortir. Il faut vraiment, vraiment, vraiment changer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire? Maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire brièvement à Tiesco le Sultan? Tiesco le Sultan, comme je l'ai dit tantôt, je sais que tu n'es pas un imbécile. Non, tu n'es pas un imbécile. Tout ce que tu fais est préparé. Tout ce que tu fais est voulu. Tu m'amènes souvent même à croire que cette prison-là, tu l'as voulu pour qu'on parle de toi, pour qu'on ait compassion de toi. En tout cas, tout ce que tu fais est stratégique. Tu as de la stratégie dans ton art, mais tu n'es pas très bien organisé. Voilà.
Tu as un talent fou, moi je le reconnais. Pour ceux qui ne vont pas le reconnaître, ça c'est leur niveau. Mais moi je reconnais que Tchesko le Sud a un talent fou. C'est un artiste très talentueux, mais qui n'a pas conscience de son talent et qui n'a pas conscience des forces qu'il peut avoir au regard de simplement sa musique. Si ce dernier-là s'éloigne des clashs, franchement, je pense que ça va donner bon résultat. Donc c'est ce que le Sultan, j'espère pour ma part, honnêtement, hein, j'espère pour ma part que ce passage en prison là va vraiment, vraiment t'amener à réfléchir, va vraiment, vraiment t'assagir, va vraiment te faire comprendre que tu as une famille, tu as des fans qui t'apprécient, tu as des personnes, malgré que tu peux penser que tu es détesté, tu es incompris, mais il y a des cas qui sont vraiment voués à ta cause, il faut les faire honneur. Parce que ce que tu ne sais pas, quand on te fout en prison comme ça, c'est un déshonneur pour eux, c'est une honte que tu les jettes en pleine face. Donc j'espère que tu comprends bien mon message. Et si tu as bien remarqué, avant de m'adresser à toi, je me suis adressé à tes fans, à tes détracteurs, aux mélomanes ivoiriens. Je leur dis de te donner une seconde chance. Je leur dis d'observer voilà, ta sortie de prison. Parce que je pense pour ma part que franchement, on aura un nouveau visage, Tchesko le Sultan. Et j'aimerais pas que tu me déçoives. Tu m'as longtemps, longtemps déçu par tes sorties, par tes réactions, quand je pensais que tu changeais, quand je pensais que tu avais décidé de changer et tu es retombé encore dans les mêmes choses. Franchement, je pense que cette fois, la prison, c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à son pire ennemi. Et si tu l'as fait, ne serait-ce qu'un mois, c'est trop pour nous. Personnellement, pour moi, c'est trop parce que je ne peux même pas accepter que un être humain soit privé de liberté, ne serait-ce qu'une heure ou bien ne serait-ce qu'un jour. C'est quelque chose de très, très, très lourd à porter sous la conscience. Donc, qu'est-ce que le Sultan, écoute bien ce que j'ai à te dire. Je suis peut-être un petit frère. Non, je suis un petit frère, pas peut-être, mais je suis un petit frère pour toi. Mais je pense que ce que je suis en train de te dire là, tu sais très bien au fond de toi que c'est la vérité. Il faut nous surprendre. Mieux tu nous surprendras, mieux tu vas atteindre l'objectif que tu veux. Tu t'es déjà fait un nom, même si ça, tu t'es fait ce nom-là de la plus mauvaise des manières. Mais on parle de Tchesko le Sultan. Tchesko le Sultan, on le connaît quand même. Et malheureusement, quand on parle de Tchesko le Sultan, on dit oh, les gars qui aiment faire buzz forcé là, les gars qui aiment clasher pour rien là. Tu vois, il faut que ça change. Il faut que ça change vraiment. Bref, je pense que j'ai longtemps pas parlé de Tchesko le Sultan. Je vais parler maintenant de la légende du rap Iba One. Quand j'étais souffrant, quand j'ai passé plus d'un mois sans vous faire des vidéos, Iba One n'a pas eu qu'on commence à sortir un dernier opus, Easy Money. Et avant tout propos, je tenais vraiment à féliciter tous les gladiats. Je tenais vraiment à féliciter tous les fans d'Iba One parce que vous avez fait du jamais fait avec Iba One. Parce que moi, je le suis, ça fait quand même un bon bout de temps. J'essaie de regarder ses vidéos sur YouTube. Et Easy Money, franchement, il y a une très bonne stratégie mise en place. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment vous féliciter pour ça. Plus de 500 000 vues en une semaine. C'est du costaud, c'est du balèze. Mais en même temps, je vais vous demander de ne pas baisser les bras. Je vais vous demander de continuer dans cette lancée-là. Parce que c'est l'album qui est en train de s'annoncer comme ça. Et puis l'album va vous surprendre. L'album va vous surprendre. Iba One va déjouer les plans de tous ces détracteurs. Là, je peux vous rassurer. Je suis en contact direct avec Latisse. Je suis en contact direct avec Latisse. Je peux vous promettre, je peux vous rassurer que Iba One va vraiment déjouer les plans de ces détracteurs. Son album sera vraiment, vraiment, vraiment très lu. Très, 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 très lu. Très même. Je pèse mes mots. Empire. L'album ne se fait pas appeler Empire pour ne rien. Pour faire plaisir à ses fans ou pour faire plaisir aux oreilles des gens. Non, 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 non. C'est vraiment un empire. Un empire de mélodie, un empire de rap, un empire d'afro, un empire de tout. Iba One va vous surprendre. Parce que son inspiration déborde. Maintenant, si je fais cette vidéo-là, en fait, c'est pour vous dire, vous avez bien travaillé la première semaine. Mais j'ai l'impression que les choses ont commencé à stagner. Pourquoi vous ne réalisez pas le million de vues avant un mois pour Iba One? C'est impossible pour les gladiats? Je ne pense pas parce que le mec, il a beaucoup de personnes autour de lui. Je félicite aussi Ezoke, on l'appelle, non? Mali Rap Info, quelque chose, Buzz Info, là. Ezoke, que ce gars-là, il fait un travail énorme. Et il vous a montré comment pouvoir s'abonner sur la chaîne d'Iba One en créant un compte Gmail. Et je vais lui demander la permission et prendre une partie de sa vidéo là pour la mettre en début quand on va lancer les hostilités pour l'album d'Iba One. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne d'Iba One. Partagez le lien de Easy Money dans tous les groupes Facebook, dans tous les groupes WhatsApp, partout où vous pouvez partager le lien, partagez-le. Parce que je sais, pour ma part, que Easy Money peut et va faire le million de vues avant un mois. C'est juste une question de volonté. C'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Vous êtes nombreux. C'est juste la culture des réseaux sociaux que beaucoup parmi nous, beaucoup parmi les gladiats n'ont pas. Voilà. Je félicite aussi un grand homme, un grand gladiat qui fait énormément, énormément un travail costaud, colossal pour l'empereur Kankou Moussa.
alias Ibawan, c'est mon frère Tonkara depuis Paris. Boubacar Tonkara, franchement, que Dieu te bénisse pour ton travail que tu as bas. Un amour indescriptible à l'endroit de l'artiste Ibawan. Que Dieu te bénisse. Merci. Et je lance cet appel-là à tous les gladiats. Il faut amener Easy Money au million de vues avant un mois. Je sais que c'est possible et je sais que vous en avez la capacité. Voilà. Fermez la bouche des détracteurs d'Ibawan. Je vous ai dit que j'étais de retour et je serai là. Je ne recule plus. On est là. On ira jusqu'au bout. J'ai confiance en vous et je sais que beaucoup ont confiance en moi. Ibawan Empire, premier disque d'or sans être international, en griffe. Que Dieu vous bénisse, c'était Hérito. Ciao, ciao.